Voile. Bonsoir. Quand on a le lieu et le truc, et j'ai oublié de restart un truc. Hop. Better. Better sur l'écran qui bug. Voilà, bonsoir. Re-bienvenue encore dans le Bordurland. Le land. Ah oui, j'ai 1 million de points à mettre. 1 million, ça va, c'était 4. Et donc, entre deux, j'ai la quête construisons une armée de robots. Bien. Eh ben, let's go. On va aller faire ça en 2-2. Comme il faut. Comme il faut, comme il faudrait, comme il faudra. Comme il faut. Il y a juste un truc qui m'énerve. Voilà. Marthe Stordi qui ne fait pas ce que je veux. C'est parti, mon kiki! Clapi-trapi, chieur accompli. Allez, je vais appeler le train. Believe I can touch the sky. Ça me gratte la mimine qui conduit. Plus prendre avec la souris du coup. Il faut que je monte. Wop. Il y a des trucs à vendre. Ouais, j'avais des trucs à vendre. Zims bams boom. L'ascenseur est pas là. Je me disais, voilà. maintenant que je suis débarrassée de lui, l'avenir me tend les bras. Je dirais Et toute Felicity. nouvelle vie dit nouveau nom. Felicity. Pour l'idée de bonheur. Dorénavant, appelle-moi Felicity. C'est bien compris, Felicity. Yeah. Yeah. Et j'appelle le train. Ok, branche-moi. Je vais appeler le train. Attention, hop, train approche. Yes. Ok, on va jeter un coup d'œil à l'usine et remettre les choses en marche. Il va nous falloir un sacré paquet de châssis de robots pour reprendre Helios et sauver la lune et tout le bousin. Pigé. Bousin, quand même, t'as cette expression. Non mais il me crache dessus l'autre là. Il se prend pourquoi? Oh les bestioles là. Non mais. Voilà, on est d'accord, personne ne perd rien contre moi. Tac! Et le train est arrivé. Parfait. Et voilà, en voiture. Où est le bouton? Là-bas? Oh. On peut rentrer à n'importe quelle hauteur, normalement. C'est un train, ce n'est pas un. C'est pas un avion, je sais pas. J'en sais rien, j'aime pas l'avion. Le centre industriel Titan. Alors c'est là qu'on va construire notre super armée de méga robots. J'ai la carte. On va pas se mentir, je suis un peu déçu. C'est facile de critiquer. De toute évidence, l'endroit est devenu une vraie ville fantôme quand Dal a tout remballé après la grande fissure. Il faut juste qu'on accède à la zone des exosquelettes et qu'on relance toute la machine. Ça va être facile. Le son, ça va être très simple. Oh bah, tiens. De torque. Grenade pour tout le monde. J'espère qu'ils n'auront détruit aucun des systèmes clés. Enfin, au moins, tu sais te débrouiller. C'est déjà ça. Pardon? Ouais. Je prends ça, je prends ça, je prends ça. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Oui, quoi? J'oublie que quand je me fais toucher, j'explose de temps en temps. Problème de commande manuelle. On va devoir trouver une autre entrée.
Trouve une console et branche-moi. Je devrais pouvoir t'aider. Cadeau. Trouve une console. Ok, si ça peut te consoler. Parfait. Laisse-moi juste observer un peu. Il y a quasiment aucun courant là-dedans. Ta-da ! Encore des méchants. Ah. Lucie, d'une IA à une autre, j'apprécie ton respect. Tremblez devant l'exterminateur 9000. Ah, c'est mon nom ça. Eh, j'aime bien mon nom, l'exterminateur 9000. Ces saletés de rongeurs de câbles sont partout. J'ai horreur de ça. En plus, je crois que des pillards se sont installés dans le coin. Comment ils ont fait ? Et trouve-moi une console pour que je vois ce qui nous attend. Et puis, tue-moi un peu ces bestioles tant que tu y es. Ouais. Par contre, du coup, c'est des bestioles qui survivent dans le vide spatial quand même. J'avoue, c'est chaud. Les bestioles, elles survivent au vide spatial quand même. Limite, est-ce que s'il y a de l'oxygène, ça les tue pas ? Point, c'était sympa d'explorer de nouveaux systèmes. Bon. Il gratte le pied. Après ce bâtiment, on a l'usine de Stingray. Et encore après, l'usine de robots. C'est assez simple. Je devrais réussir à nous faire passer les portes verrouillées, et toi, tu nous feras passer les débiles. Ok. Kung Fu. Kung Fu. Ce qui est bien, c'est que je les tue sans rien branler quand même. Oh, allez, un petit peu, pour le fun. Je suis un dinosaure sexy. C'est bon, j'ai fini. Stop. 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 Merci. Par contre, ça va bien avec le bonus de rechargement. Encore une porte coincée. Elle s'ouvrira peut-être si tu tires un coup sec dessus. Alors, si je tire un coup sec, je suis un claptrap. Tu vas peut-être devoir tuer ça. Tuer quoi ? Encore l'autre qui tire ? Ouais, moi. Ah, elle en veut, hein, moi je dis. Hein. Pardon, excusez-moi, je suis occupé. Il a mon portable. Père, on s'en fout. On s'en fout, c'est des news de stars, de machin, de... Super, il n'y a presque aucun courant ici. Et les vieilles tourelles fonctionnent encore. C'est ça que tu vas faire. Ah, les grenades. Ah oui, je vais dire, qu'est-ce qui tire ? D'accord, il y a une tourelle. Pardon, excuse-moi. Deux secondes, j'arrive. Merci. Odou. Ah, j'ai le chic pour mourir quand il y a zéro personne autour de moi. Ah, j'ai le chic, hein. Ah, je suis fort à ce jeu-là. Je suis très très fort. Puissant. Mais bon, c'est comme ça, après... Je peux pas y faire grand chose, hein. Y'a personne, y'a personne. Ah. Du coup. Un vandale vivant, c'est toujours mieux qu'un cadavre. Oui. Oui, monsieur, bien monsieur. Toujours pas de meilleur bouclier, rien. De toute façon, après, comme je vis avec les coffres d'or, c'est clair que je m'aide pas. Allez. C'est l'entrée du bâtiment des Stingray. C'est bon. Tu peux me donner accès à cette console de porte ? Oui, madame. C'est pas une question, en fait. T'as pas le choix. Ah non. On a un problème. Le système de sécurité n'a pas l'air d'humeur à se laisser faire. Et du coup... Bien. Désolé. Je vais tâcher de t'ouvrir la porte. Toi, occupe-toi des tourelles. Ah non, j'allais les laisser. C'est étrangement rassurant. J'allais les laisser, tu sais. Je me suis dit, tu sais. J'ai piraté les
bouton pour qu'elle ne tire que sur les torques. Ça devrait aider un peu. Je vais forcer cette saleté de porte à s'ouvrir. Enfin, j'espère. Hé, les enfants. Tout va comme vous voulez. C'est sympa. Vous bossez toujours sur mon plan d'armée de robots. Oui. Tout va super bien, monsieur Jack. Génial. À bientôt, alors. Ce qui est bien, c'est que la moitié des phrases est découpée parce qu'il y a des interruptions. Bon, mauvaise nouvelle. Cette porte commence sérieusement à me taper sur les systèmes. Mm-hmm. Je peux activer une plateforme de saut pas loin. On va plutôt passer par là. Oui, madame, bien, madame. C'est sûrement les pillards qui ont mis ça là. Ils utilisaient des plateformes pour entrer et sortir de Concordia. Oui, madame, bien, madame. Alimente-moi ça. Vite, je me gratte le pifounet. Bellissimo! Oui! C'est charmant. On dirait que les pillards ont installé des champs électriques de fortune. Oh. Je suppose que c'est pour chasser les torques. Suis le câble. On va voir si on peut couper ça. Ah ouais? Ce qui est bien, c'est qu'enfin le jeu, il apprend à faire ça. Alors, enfin le jeu. T'apprends que, en fait, les câbles et les trucs électriques, ça se suit. Mais, alors pour ceux qui n'avaient pas compris, en vrai. Hein. Faut vraiment pas avoir bien joué au jeu. Hein. Pas beaucoup joué au jeu pour pas comprendre. Oh, il y a de l'oxygène. Incroyable. Ah. Pardon. Oh, vous me faites chier. Ces câbles doivent être reliés à une boîte à fusibles principale quelque part. Suis-les, il devrait t'y mener. Non, c'est... on s'amuse. Alors, ces coffres-là... Non, ça va, celui-là, je peux l'ouvrir. Bon, ça m'étonnerait que ce soit mieux que ce que j'ai, mais... Alors, du coup, faut que je monte... C'est quand même très longiligne, hein, c'est pas non plus très réfléchi. Voilà la boîte à fusibles. Si tu coupes tout, on devrait pouvoir franchir ce dernier champ électrique. Sauf que... Enfin, j'imagine que ça coupera aussi tous les autres. Du coup, tu vas devoir faire attention aux torques. Oh, c'est dommage. Marcus ? Marcus électrique. D'accord, je comprends mieux pourquoi c'est de la merde. Torque ! D'où est-ce qu'ils sortent ? Merde ! Il y en a partout ! Oh bah après, hein, moi je m'amuse. Hein. J'ai deux bras robotiques, moi. Participons. Bah alors, le snipe de merde. Non mais, reviens. Il est où ? Le truc qui explose là, moi pas comprendre pourquoi. Par contre, pourquoi mon jeu lag comme il en peut pas. Du coup... C'est pas du tout ici, mais... Tant que je suis là... Ah. J'allais dire, t'as le droit de mourir. Hein. Et quoi? Merci. Je suis mauvais, hein. Je suis mauvais en même temps, j'ai l'espèce de lag là dégueulasse qui rend le jeu dégueulasse. Bon, du coup. Mais ça ne m'empêche pas de trouver ces rebuts de l'humanité parfaitement répugnants. Oui. Chaque fois que tu en joues, tu redonnes le sourire à un enfant. C'est sympa, c'est bien ça. J'aime redonner le sourire à des enfants. Attends, c'est moi ou les mecs qui viennent de nous one-shot entre eux? Ce snipe là qui est pour... Quand même. Oh, je suis mauvais. Je suis pas dans le game là.
Ah, j'y suis vraiment pas. Hein. Et là, c'est un... Oh, il a bougé, je me disais, merde. Ça fait sprouch, sprouch. Mauvais, hein. Oh, que je suis pas bon. Oh, que je suis pas dans le gagam ce soir. Oh mais non, mais... On peut pas être tranquille, hein. Ah. Il est... Voilà. Ouvrez la porte. Non mais... C'est bon? Ah non, d'accord, je dois monter là-haut. Bien. Encore le machin qui tire. Oh, et il y a combien de tirs là sur l'œil d'Helios? Parce que waouh, impressionnant. C'est bon, on a compris, t'as pris le contrôle de notre gros laser. Tu veux un bon point? Tu te dis qu'est-ce qui branle Jack pendant ce temps? Il se la coule douce et on fait tout ou... Vraiment quelque chose. Ouais, nul, nul. Allez. Ça sert à rien que j'ouvre, mais ça me fait plaisir. Ça rend la chose active. Bonjour. Bonjour, à l'aide ! Je suis Glassstone. Dans la salle de contrôle principale, un peu plus loin. Vous pourriez peut-être, je sais pas, me sauver ? Ces pillards vont me faire la peau quand ils vont se rendre compte que je suis pas vraiment, je l'aurais dit. Il me dit rien, ce mec, c'est impressionnant. C'est bizarre. Salut. Les mecs, ils me voient au travers le carreau, mais ils en ont rien à péter. Banga. Excuse-moi, bouge pas le brutal, à y arrive, hein. Alors c'est comme ça, à l'intérieur des gens? Quoi, c'est pas fini? Oh... C'est loué, Buggy. C'est affectueux, hein. Oh, j'aurais dû te dire sur le feu. Salaud. Petit salaud. Wow, wow, wow. Tout doux le jeu. Il me fait revenir un peu en 2-2 comme ça, là. J'étais en train de marcher. Oh, parler à Glassstone. Merci beaucoup, vraiment. J'avais l'impression d'être là depuis une éternité. Allez, venez, je vais vous ouvrir la porte. Oui, monsieur, oui, monsieur. Je vais ouvrir la porte. Salut. Je suis bien content de vous voir. J'étais là à explorer tranquillement dans mon coin pour travailler sur un petit projet personnel. Quand les pillards m'ont attaqué par surprise, j'ai réussi à les persuader que j'étais médecin. Après tout, je suis un docteur, même si c'est pour les laboratoires d'Hyperion. Tu peux confirmer ce qu'il dit, monsieur Jack? Sa tête me dit rien. Et comment tu t'appelles? Oh, désolé, Gladstone Katoa, division D. Qu'est-ce qui vous amène? Oh, la division D. C'est là qu'ils planquent tous les gros cerveaux qui bossent sur les trucs géniaux super top secrets, c'est ça? Je mets au point des technologies expérimentales. La division m'a autorisé à utiliser les ressources d'ici. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, Gladstone Katoa, je dois retourner sur Helios et reprendre l'énorme laser aux mains de soldats tout bizarres de chez Dal. Parce que sinon, la Lune explosera et détruira au passage la moitié de Pandore. Enfin la routine, quoi. Oh mon Dieu! Je me demandais ce qui se passait. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez pas être dans la station spatiale, plutôt?
Jack veut créer une armée de robots dirigée par mon IA pour reprendre Helios. Moi, c'est Felicity, au fait. Ah, je comprends, vous cherchez mon prototype. Mais bon, il n'est pas terminé, hein. Non, on est là pour construire des robots. De quel prototype tu me parles? C'est un constructeur. Un projet secret. Je voulais créer un robot capable de numérialiser un nombre presque infini d'autres robots. Mon prototype est presque fini, mais les pierres m'ont empêché d'installer quelques éléments clés. Et puis je voudrais pas qu'une arme aussi puissante tombe entre leurs mains dégoûtantes. Oh. Et ben voilà. Dis-moi en plus, vas-y, je t'écoute. Ok. Bon, parlotte. Ensuite, on installe une IA militaire et... Boum! Il nous crachera toute une pluie de porteurs parés au combat. C'est parfait, petit gars. À ton avis, pourquoi on se promène avec Felicity? Hein? Tu veux m'insérer dans une sorte de robot constructeur? Mais tu seras comme une c'est maman. C'est pas du tout à ça que je pensais. Oh, un constructeur! Joli, j'aime bien. Bon, le Tekos, ton prototype peut numérialiser des porteurs de combat, oui? Parce que franchement, ces exosquelettes ont l'air un peu... naze. Oui, bien sûr. Mais d'abord, vous devez finir d'assembler le prototype. Ouais. Vous allez devoir accéder à l'usine de robots principale en franchissant le portail de transport. Je surveillerai les systèmes d'ici. Oh, très bien. Au boulot, je veux mon armée. Je peux... donner mon avis? Ouais, très bien, si ça te fait plaisir. Je veux juste que mes porteurs soient mortels. Oui, il veut que ses porteurs soient mortels. Au fait, le dernier mec qui a essayé de me trahir s'est retrouvé transformé en gruyère avec l'air bien con. C'est bien compris. Pourquoi j'irais vous trahir? Vous essayez de sauver la lune. Et puis, vous avez les réglos. En plus, vous êtes sur le point de m'aider à terminer ma plus belle œuvre. Eh. La science, ça s'en fout. Donc, du coup... Bonjour, les mobs qui m'attaquent. Dites-moi comment je vais vous tuer. Je vais peut-être bien vous écraser. Parce que, comme qui dirait, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais tu voles, toi, dis donc. You're not supposed to fly. You're supposed to die. Pour ça, merci pour ça. Eh ben dis donc, généreux le jeu. Dommage, la blague n'est pas passée. J'avais pas les ressources nécessaires à mon projet sur Helios. Il restait tout cet équipement de dalle inutilisé ici. On m'a assigné une escorte, mais les pillards n'en ont fait qu'une bouchée. Au sens propre comme au figuré. J'en ai bien peur. Enfin bref, bon, je me suis retrouvé seul. Je savais bien qu'on finirait par m'envoyer des secours. J'ai toujours gardé espoir. Ouais, c'est pas Hyperion qui nous envoie, hein. C'est juste moi. Mais vous travaillez pour eux? C'est vraiment une société de rêve. Les trois plus belles années de ma vie. Je travaillerai plus jamais pour personne d'autre. T'as fait le bon choix, Felicity. J'aime pas vendre la peau du Torque avant de l'avoir tué, mais... Tu sais quoi? Je crois que t'as raison. Non. C'est faux. Ouais, tout le monde va se calmer, là. Moi, je laisse le robot faire, hein. Il bosse, hein. Il bosse, il est heureux. Moi, je dis... Quand je fais la journée d'un petit robot, je suis content. Mozzarella. Cette blague ne sera jamais finie parce que le robot est mort. J'avoue que je t'ai frôlé le machin, quand même. Avec un... Tac. Allez. Tu penses être planqué? Pardon. Je me trompais de mob. C'est bon là? Non. L'usine de robots est droit devant. C'est là que je travaillais à mon prototype avant que les pillards ne viennent s'approprier l'endroit. Oh. On échange nos recettes? Bon, t'en as une?
De recettes pour manger les gens? Ah, étant un robot... Étant un robot, c'est un peu compliqué pour moi d'échanger des recettes. Je sens que c'est... Regardez les filets! Ils ont peut-être pris la fuite en voyant ton effrayant... Hé, hey, je suis passé! C'est dégueulasse! Apparemment, non. Ils ont un exosquelette d'âle. Désolé. Ce bordel. Cet énorme bordel. Tac. Nos porteurs de combat vont être vachement mieux. Tiens, en parlant de ça, ça avance. S'il vous plaît. Ah, il est mieux que mon flingue, dis donc. Excusez-moi. Bon. Et voilà. Ok. Vu c'est quoi le succès, j'en ai eu un. Bon, zone de production. De où, de quoi, de comment? Alors c'est là qu'on va donner naissance à ma nouvelle armée de robots? Oui, c'était mon laboratoire principal avant que les pillards débarquent et m'obligent à devenir leur médecin. On va devoir se débarrasser d'eux avant de pouvoir se mettre au travail. J'aimerais que ce soit mieux que mon fusil à pompe. Oui, je m'en doutais un peu. Ok. Zims blems bloom. Qui me tire dessus là. Mauvais. J'adore. Où le deuxième? T'es un peu con toi. Toi, t'es pas le plus brillant de ta famille, hein. Désolé, hein, mais c'est vrai. Oui, allez le dernier. Non mais... Déjà, comment vous avez arrivé à lober comme ça en ne me voyant absolument pas? Franchement. Vous êtes une fille? Ah non, non. Vous êtes un homme, mais... très petit, du coup. On vous a donné une voix très criarde. Ça me dit des trucs... No. Très bien, très bien. Bon, descendons maintenant. Arrête, embêtez-moi. Oui, moi aussi parler Tarzan. Hein. S'il vous plaît, pourriez-vous mourir? Monsieur. Le mob, le pire mob, il bouge pas. Pas trop. On dirait un peu un dépotoir. T'es sûr qu'on va pouvoir y construire des robots de ouf? Bien sûr, c'est les pillards, ça gâche toujours un peu l'ambiance. Bon, on doit commencer par restaurer l'alimentation principale. Il faut aller voir ce qui se passe dans la salle du disjoncteur. Eh, pile au bon endroit. Incroyable. Bétum. C'est fermé. On peut peut-être te faire entrer par la fenêtre. Attends, je vais voir si je peux enlever ce panneau. Hé, hey, chasseur de l'arche. Non. Quelle bande de rustres. Bon, apparemment, je vais les tuer. Je vais les tuer. Ce verre de sécurité supporte mal le froid. Je te conseille de le geler et de cogner dessus. Oui. C'est froid. C'est froid.
genre délicieux. Oh, je... Il reste un monsieur. Mini-trap. Qui est là ? Qui est là ? Qui est là ? Qui ? J'sais pas la blague. J'sais là. J'sais la blague. Attendez, attendez, attendez. I recharge. Et I put a bullet in your head. Oui, oui. Et je vais me faire griller les pattes en même temps. Mais... Oh, ça touchait pas. Ça touchait pas, je suis désolé en vrai. La musique du progrès. Un pas de plus vers le sauvetage de l'humanité. Oui. Ok, passons aux choses sérieuses. Dans un premier temps, il faut compléter l'œil. C'est la partie la plus complexe. J'ai déjà préparé tout le processus, mais on va devoir récupérer du matériel sur quelques-uns des robots de sécurité. J'ai bien essayé de le faire moi-même, mais... j'ai pas réussi. Laisse-moi deviner. Tout dans la tête, rien dans les muscles. oui, c'est pas faux. Et puis, c'est costaud, ces machins-là. Bon, retourne dans le bureau de la sécurité qui surplombe la salle principale et appelle-les. Bien sûr, ça risque aussi de faire sortir les pillards, mais... Mais tu sauras gérer ça. Oui. Oui. Tout à fait. Parfaitement. No fucking problem. No freaking problem. Bonjour. Excusez-moi. Voilà. Auriez-vous des armes dans le coin? Je demande à tout pif. Vous n'êtes pas perdu. Ils sont positifs au moins ici, hein. Ils ont déjà ça pour eux, hein, en vrai. Moi, je dis. Les mecs, ils pourraient se sentir bien plus mal que ça et tout. Non. Je suis désolé, c'est sympa. Hein. Ils sont positifs. Allez. Bon, des robots. Les voilà. Tu vas devoir les détruire pour récupérer leurs yeux. Après, c'est pas forcément moi qui dois les détruire. D'accord. Obligé que ce soit moi. Les systèmes visuels d'un robot détruits, enfin ce qu'il en reste. C'est ce qu'il me faut. Récupère les autres. Tout à fait. Tout. Bonjour. Bonjour monsieur. Non, mais oh. C'est moi. Voilà. Si seulement mes châssis n'étaient pas faits en chair humaine recyclée. J'avoue, si c'est le cas, c'est dégueulasse. Si c'est le cas, c'est dégueulasse, Clapra. Un châssis en chair humaine recyclée. Ce qui est possible, parce que... Bah, là... On est fait de carbone. Si on est fait de carbone, on peut fabriquer quelque chose avec. Ensuite, rends-toi au labo de l'Oculus. Je vais t'expliquer comment faire. Tout doit déjà être prêt. L'Oculus Rift ? Non. J'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est par là. Chadois. Bon, Felicity, tu pètes pas un câble, hein. Ok, place les pièces dans le convertisseur, juste là. Il va se charger de fondre le matériel pour créer l'œil du prototype. Un convertisseur d'œil ? Mais c'est complètement débile ! Qui peut bien être assez con pour aller inventer un truc pareil ? C'est une de mes créations ! J'ai passé beaucoup de temps à préparer ce labo pour mon prototype. C'est une technologie particulièrement délicate et expérimentale. Vraiment ? Parce que d'ici, on dirait juste un grille-pain.
C'est vrai que... Ouais. Et voilà, tous ces mois de labeur portent enfin leurs fruits. Nous sommes en train de façonner l'histoire. Magnifique. Ok, maintenant... Oculus, il y a sûrement une blague à faire avec ce mot de bon goût, bien sûr. Ouais, la science FTW. Bien, retourne à la salle principale. On va devoir brancher cette merveille sur le torse. Hop, alors bonjour. Actionne ce loquet pour ouvrir la cage. La cage? Une cage? Cage de quoi? Nom d'un disque dur défragmenté. C'est ça qu'on construit? J'étais à un cheveu d'avoir terminé quand les pillards sont arrivés. Ça devrait produire un grand nombre de robots. Suffisamment pour prendre le dessus sur Dal ou sur qui que ce soit d'autre. Oh, c'est... On dirait un peu une benne à ordures remplie de larmes de chaton. Sans te vexer. Ouais, mais tu vas voir quand elle fonctionne. Ce constructeur sera capable de numérialiser des machines ultra complexes à une vitesse inégalée. Maintenant, il va falloir qu'on installe le torse sur la grue. Oui. Certainement. Certainement, il y a d'accord avec cette idée. I am d'accord avec cette idée. Do it. Let's do it. Oh, bon sang, ça marche vraiment. J'en crois pas mes yeux. Mon ancien professeur disait que je n'arrivais à rien, mais elle avait tort. Et pourtant, regarde-moi aujourd'hui. C'est là-dedans que tu veux me mettre? C'est pas la plus élégante. Je me demandais, pour l'installation, tu sais, tu pourrais juste me copier. Ça prend un peu plus de temps, mais ça revient au même et ce serait bien moins terrifiant pour moi. Moins terrifiant? D'accord. Mais à quel point? Tu vois la différence entre une opération à cœur ouvert et un scanner? Je vais y réfléchir. Ah, des bons arguments, hein. C'est bien, oui, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on connecte les tourelles et puis les jambes. Elle a quand même des bons arguments, la gamine, hein. Malgré que c'est une IA, elle a des bons arguments, hein. C'est où tu te dis, mais... C'est tellement sûrement une évolution d'une IA qui a évolué... Et qu'au final, quelqu'un après a recopié l'IA qui marchait bien, qui était déjà opérationnelle, qui était déjà nourrie, emplie d'informations. Mais c'est pour ça que tu te dis pourquoi maintenant il n'y en a pas des impossibles. Il faut juste recalibrer les tourelles. Je peux t'aider à configurer les systèmes de visée. Oui. Ça ira, merci. J'ai un moyen plus rapide de le faire. Ah. Laissez les tourelles tuer. Bah, qu'est-ce que je fais alors? Bon bah... Amusez-vous les tourelles, hein. Pas besoin de jouer, pas besoin de jouer. Il est produit grâce à son programme. Merde, j'en ai tué un. Contente-toi de les calmer. Ensuite, laisse les tourelles faire des miracles. Ah non, caisse des merdes, hein. Il faut entraînement en conditions réelles. Il faut qu'elle défonce tout le monde. Je suis vivant. Et la tourelle a fait le taf. Hein. Moi je dis la tourelle, elle doit faire son taf, hein. Dégage de là. Voilà. C'est terminé.
J'apporte tout ça à la zone principale. Viens m'y retrouver. C'est bon ? Bon, ramassons tout le bordel. Il traîne. Nul. Attachez les tourelles. Oui, madame, bien madame. Enfin, monsieur. Oui. Oui, seulement, oui. Bien. C'est que j'appuie. Là. Ah, viens. Allez, installe-moi cette tourelle. Presque. Je me sens comme à la Saint-Mercenaire. Alors, c'est là que je vais vivre maintenant. Je suis pas sûre d'en avoir très envie. Bien. Les gens sont dans l'autre labo. Elles sont toujours reliées à un prototype de la combinaison d'Al. Tu vas devoir les détacher et venir les installer sur la grue. Bien, madame. Oui, madame. Enfin, monsieur, mais... Prenez le contrôle de l'exosquelette pour amener les jambes jusqu'à l'endroit de l'assemblage. Ce serait pas plus simple ? Ta mère. Mais c'est une excellente idée. J'y avais même pas pensé, dis donc. Ça te fera un bon échauffement. Ah d'accord, non, c'est quand même là où je dois aller. C'est quand même là-bas. Bonjour les gens qui vont m'attaquer ici. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Enterrez-moi la tête en bas. Bah, disons que comme t'es allongé... Sûrement sur le dos ou le ventre, les cas très rares. T'es pas allongé selon une hauteur, mais selon une longueur. Ah. Ça faisait longtemps que j'étais pas mort. On s'en fout. Ça faisait longtemps. Allez, allez. S'il te plaise. Va plus vite. Alors, du coup, c'est par là. Oui, allez, on y va. Ça va pas assez vite. Oh, attends. Il y en a 4, ça déconne pas. Y'a mon robot qui lui tourne autour comme si qu'il en pouvait plus. Des confettis ensanglantés. Il est où le dernier ? Je vais pas plus, je vais faire un tour, je serai pas long. Oui, je vais faire un tour, je serai pas long. Ah, si, étant donné que tu es dans la mort, si tu es dans la mort, tu vas être un petit peu longué quand même, hein. Dis ça, je dis rien, mais ça risque d'être un peu long. Bon. Oh, ce coffre, c'est un coffre piège. Ne pas l'ouvrir avec mon bel iridium. Faut pas déconner. Faut pas déconner, né. Pour fusil à pompe mieux, mais voilà. Allez, on met l'IA. Elle est pas, on devait pas la copier et tout là. Hein? Ok, branche-moi. Faut que je te protège maintenant, je parie. Ce corps est très étrange. Des bras, des jambes. Alors c'est ça, être humaine? C'est vraiment moche. Très bien, montre-nous ce que tu sais faire.
J'avoue. Mais où est l'option fabriquer des robots et tout là? Non. C'est pas ce robot là. Pas compris. Allez, tue-les. Tue-les. Il y a marqué escorter, hein. Il n'y a pas marqué protéger. Je vais tuer Felicity avec ma capacité. Oui, alors. Comment dire que j'ai failli tuer le robot? Bon, je pense qu'après il y en a d'autres, mais. Compétence, punch d'Hyperion. Vous gagnez des cumuls de punch. J'ai. Moi, c'est pas génial. Leur tireur avec des effets supplémentaires, quelle que soit l'arme. Plus chargeur est petit, moins le bonus est élevé. Oh, good, ça, ça je veux. Ça. Et après, bah, je réfléchis. Exosquelette en approche. Le suspense est insoutenable. Oui, mais je tire pas là. J'espère qu'il n'avait pas de famille. Oh, pff. Tu sais. Pour ce qu'on s'en branle. Pas mal, ma jolie. T'as réduit tous ces pillards en poussière. C'est vrai, oui. Tout est perdu. Comme une aiguille dans une botte de foin. Ouais. Ah non, c'est pas ça qu'il faut dire après. Bien, 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 bien. On va se faire attaquer, forcément, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Il m'attaque à vue sans même m'adresser la parole. C'est normal, ça, chez les humains? Oui. C'est pas facile, quoi. On va dire que oui, quand même, hein, parce que... Proche. Bon. Est-ce que mon robot le bloque? Robot, viens là. Suis papa. Merci. Suis papa. Oh, allez, construis-moi ce robot. Ok, je suis prête à exploser. Reculez. Yes. Parfait, hop là. Le torse sur les jambes. Je me suis un petit peu trop reculé. Ouais, ça va être super génial. Et Felicity, elle est où? Elle est toujours dans une partie voilà, de robot. C'est super génial. Un vrai monstre, pas vrai? Oui. La construction est terminée. Enfin. Il ne reste plus qu'à faire passer quelques tests à la coque dans la salle des diagnostics. On devrait pouvoir y installer le noyau d'IA. Felicity. Très bien. Je dois te dire, Jack, j'ai pas trop apprécié de tuer ces billards. Je me demande si c'est une bonne idée. Moi non plus, j'aime pas tuer, tu sais. C'est faux. C'est faux comme le nez au milieu de la figure. C'est faux comme le prénom de Jack et John. Et aussi faux que ma mère. Non, c'est pas vrai. Ma mère est très bien. Entre dans ce bureau et utilise les commandes pour tout remettre en marche. Excusez-moi, j'arrive. Une minute. Alors bougez pas, monsieur le brutal. Encore? Oh, mais dites donc. Dites donc, messieurs. On va leur se calmer, hein. Oh là là, on peut pas tuer tranquille. Faut forcément que les mecs ils me tirent dessus en retour. Ah bah oui, mais I cannot. Wait a minute. Je cherche l'entrée. Je cherche une entrée surtout.
calmos, calmos le jeu, calmos. Voilà. Je suis assez d'accord, la chance c'est mieux que le talent. Bien que la chance peut être un talent selon les conceptions. Alors nul, 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 il n'y a que le mode que j'ai qui est bien. Là qui rend les balles. Ok, je crois que le prototype est en route pour la salle des tests. Rends-toi là-bas qu'on puisse installer notre IA. Ok, très bien, allez hop, au travail. Mais pourquoi? Je suis fait de chair galvanisée. Bang! Si j'avais des muscles, ils seraient énormes. Excusez-moi, j'arrive. Hein. Le sniper au corps à corps. Pourquoi? Parce que c'est fun. Non mais tu reviens. Non. Bon. Suivons l'IA. Exploser la lune. Écoute, je suis désolé, ma petite. On n'a pas le choix. Chasseur de l'arche, vas-y. Je ne peux qu'imaginer l'horreur d'être totalement formaté et transformé en machine de guerre robotisée. Et donc, je refuse. J'adorerais qu'ils disent ça. Non, bah, je refuse pas. J'accepte. D'accord. Je dis où je vais te faire mettre. Non, non, non. Je dois trouver les bons objets. Non, non, non. Sauf qu'après, elle va se rebeller. Oh! Et du coup, ça va pas le faire. Tiens. C'est dommage, y a pas de solution annexe. Dommage, dommage. Garde les techniques militaires, tout ce qui pourrait nous aider au combat. Supprime le reste. Felicity, je suis désolé. Je m'entends mourir lentement. Non. Arrêtez. Non. Le drama. Le drama est présent. On s'est fait un ennemi. Si c'est de la haine que tu veux, je vais t'en donner. Moi j'ai rien fait, hein. Je suis exécutant. Hésité, effréné, si seulement Elpis. Oh! Non mais attends, elle est toujours là? Bon, on a besoin de ce truc intact. Désactive-la, mais sans la détruire. Ah, attends, désactive-la, mais sans la détruire. C'est un concept. Ah oui, pardon, excuse-moi, je sors le. C'est bien, maintenant, neutralise-la. Tu crois que ça va m'arrêter? Vous n'êtes plus que des pillards pour moi. Et vous me permettez d'exprimer tout mon potentiel. Gladstone, revoue-toi entièrement la mémoire. Je veux un truc sain et surtout brutal. Gladstone. Très bien, chef. Ben oui, voilà, génial. Regardez-la un peu faire. Ok, c'est cool, mais pourquoi il nous attaque? Gladstone. J'y travaille, mais l'IA se laisse pas faire. On va devoir la neutraliser complètement pour que je puisse reprendre. Voilà. C'est fait. Oui. Tu veux me tuer, oui. Sauf que non. Tu es devenu un constructeur gentil. C'était rude. Enfin, ça avait l'air rude. Bref, beau travail. Maintenant, voyons voir ce que ce machin a dans le ventre. Gladstone, fabrique-moi des robots. Oh, c'est beau. Mais ils ont pas des guns. Ok, pas mal. Mais tu sais quoi? L'apparence, ça compte. Je voudrais qu'ils soient un peu plus... quelque chose d'autre. Donne-moi du jaune hyperion. Oui, monsieur.
Le mec, il a quand même des goûts, hein. Genre, il veut Hyperion. Hein. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Splendide. Ouais, du stuff. Est-ce que je dois en fabriquer d'autres? Oui, un peu, mon neveu. Tu sais quoi? Maintenant que j'y pense, il y a d'autres trucs qu'on pourrait aussi améliorer. Ouais. Il faut que je note. Non. Pensez à de nouveaux noms. Non. Et à des couleurs trop cool pour les armes d'Hyperion. Oui. Je crois qu'on est bon là. Hein? Oui. Retourne chez Moxie. Non. On va t'équiper et te préparer pour la grande bataille. Ah, cool. Bien, monsieur. Oui, monsieur. Allons voir Moxie, monsieur. Téléportation sortie, monsieur. Et. Prends ton temps. Prends ton freaking time. Hein. Je suis pas pressé. Hein. I'm not pressed. Alors. Du coup. Et j'ai des quêtes à aller chercher. Des trucs à vendre. Nina. Que veux-tu, Nina? Ça, trop cher. Juste bon. Alors, l'amour à la rude. L'infirmière Nina cherche un partenaire V et elle à l'isoler parmi ses prétendants. Nina a besoin de toi pour amour. Non, pardon, c'est pas ça. Nina oh, dommage. A besoin partenaire de relations amoureuses. J'ai choisi trois... Comment toi dire? Candidats. Mais eux, pas savoir encore. Oh. Prends fleur et prends carte sur table. Oui, madame, bien, madame. C'est pour la personne idéale, ok. Nina, envoyez les coordonnées. Toi, trouver premier candidat. Ah oui, c'est pas du tout... Oh putain, c'est... Oh, c'est le pire. Ah, va falloir que j'explore toute la map. Ça va être fun. Livraison à domicile, il est de toute évidence parfaitement impossible que cette situation tourne mal. Allô, est-ce que ça marche? Ah tiens. Ah, oui, je vois la petite lumière. Ici Sora Murloc, zoologiste sur Pandore. Votre lune héberge des créatures fascinantes, mais c'est l'une d'elles en particulier qui a retenu mon attention. Comme je n'aime pas trop les voyages interplanétaires, pourriez-vous m'en faire parvenir quelques spécimens? Bon, je dois tout de même vous préciser que la contrebande de faune lunaire est illégale, en plus d'être mal vue par la haute société. Vous devrez probablement faire passer les créatures en douce. J'espère que ce ne sera pas un problème. Non, non. Disons plutôt qu'on les sauve d'une vie de misère, passés à se battre pour leur survie au milieu de bandits et de voleurs. Eh bien, parfait. Les créatures que je recherche sont des cherniers lunaires. C'est une race totalement inconnue à ce jour, mais qui se reproduit comme des lapins, apparemment. Peut-être la forme évoluée d'une plante carnivore? Maybe, maybe not, we don't know. J'avoue, c'est le jeu où t'as le moins de têtes, c'est impressionnant. Alors, ver acide. Certes, certes, ver acide. Bon, vendre. Je m'en fous, je vais me chercher du stuff dans le beau coffre. D'or. Un coffre d'or. C'est un coffre que j'adore. Moins bien. Là, moins bien. Dommage. À jeter. Alors, pistolet, y a-t-il mieux? Non, 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 non. Y a pas de revolver. C'est vraiment dommage ça, on a perdu ça dans Border 2. Oh, y a pas de revolver. Y a des pistolets, mais... Des bons revolvers comme il faut, c'est rare maintenant. C'est rare, mais c'est comme ça. Alors, mode de grenade. Mieux. Moins bien. Moi, je pense qu'il y a. Hein. Il y a des dégâts, ça me va. Quand est-ce que j'ai la quatrième place? On s'en fout en vrai. Ah, mieux! Mais mieux à côté. Ah. Meilleur sniper. Moins bon. Dommage. Dommage, dommage. Allez, allez, allez. Oh, encore des pistolets, là.
Je suis plein. Je suis quasiment plein, ça sert à rien d'en ouvrir un de plus. Un énorme laser. Oui, portable. Oui, portable. Rien à foutre. Rien à foutre. Allez. On y fout des armes. Broyez, donne-moi des légendaires. Vous allez adorer. La broyeuse est prête. La broyeuse se met. La broyeuse avale tout et le rend. Pas aussi bien que ce que j'espère. De toute façon, il n'y a que le lance-roquette que j'ai eu qui était bien. Ouais, je sais. Dommage. Ah, dommage, hein, je suis un peu... D'ailleurs, faudrait que j'aille acheter des emplacements de... Des emplacements de... d'inventaire. Non, je suis désolé, c'est de la merde. Désolé, les gars, c'est de la merde. Ping. Oui, serre-toi, mais bon... Je sais pas s'il faudrait que je mette trois types en même temps d'armes. Et du coup que je me dis ça va me sortir un truc assez unique. Ah, le dernier des armes. Dommage. Alors, niveau mode de grenade par contre, il y a moyen. Allez, un bon mode de grenade légendaire. Non, j'y crois trop. Il est même pas mieux. Même pas mieux. Et j'ai plus assez. Allez, ça suffit. Ça suffit. Allez, allons acheter de l'espace. De l'espace d'inventaire. Débile. Ça marche. Mec, il m'insulte. Tu vas buter plein de saloperies. Comme si que sa vie n'en valait pas grand chose. Bon, du coup, bon bah on va faire la mission, hein. On va aller faire la mission. Dammerlock. Dans les canyons des terres éloignées. Bon, ouf. Alors, where should I go? Tellement. So far. Y'a pas moyen d'avoir des véhicules. Prudence, entrez dans le vide. Histoire 2 là, parce que. Ça m'amène où ça? Ah bah, des véhicules, très bien. Parfait. Ça me va. Voilà. Allez, Stingray, graffiti. Pas génial, mais c'est pas moche non. Alors, du coup, j'ai besoin d'aller par là-bas. Attention en dessous! J'ai un peu roulé sur la tronche, mais un tout petit peu. Ok, c'est par ici. Gavre remémoré. Remémoré, oui. Ils n'ont pas l'air amicaux, pas vrai? Enfin, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans massacrer des poussins. C'est pas la bonne, c'est pas le bon début de la phrase, ni la bonne fin, mais c'est pas grave. Hein. Des problèmes pour tuer? Aucun. Ces petits coquins prennent un certain plaisir à vous maltraiter, pas vrai? Non, ça va. Allez, dernier, je te roule dessus. Maintenant, essayez d'attraper quelques petits. Je les préférerais en vie, si possible. En les gelant, vous aurez peut-être le temps de vous approcher pour les attraper. Maintenant, attrapez-le. Non, ça n'a rien à kidnapping si ses parents sont morts. Dans ce cas-là, on parle d'adoption. Non, mais il faut geler. Il faut geler, mon petit. Il faut geler, petit, là. Mais non, mais faut pas crever. Oh bon, d'accord, ok. Bouge pas. Bougez pas, venez là.
Non mais venez plus près. Je sens que ça va être chiant. Donc pas gelé. Attention, s'il venait à dégeler, il se remettrait à s'agiter. Vous devez les attraper avant, sinon il pourrait bien vous mettre une bonne raclée. Je sens bizarre. Ça va être compliqué. Ça va être très... Oh le beau. Vite. Quick. Faster. Voilà. Merci. Ils sont adorables, vous ne trouvez pas ? Tâchez de ne pas les nourrir. Ils ont l'air d'avoir faim. Alors, il faut qu'il y en ait qui se rapprochent de Bibi. Y'a pas qu'ils veulent, là, se rapprocher de moi. Oh non, il s'est one-shot, lui-même. Le con. Ah, vite. Yes. Besoin que vous me les envoyiez. J'ai un vieil ami qui s'appelle Seymour. Il tient une affreuse petite boutique dans une fusée. Amenez-lui les chermiers lunaires et il pourra les faire sortir d'Elpis pour me les faire parvenir sur Pandore. Très bien. Bon. Allons-y, allons-y. Oh, voiture. Obéis au mouvement de papa. Obéis au mouvement de papa. S'il te plaît. Ouh, t'es un gros charnier, toi, dis donc. Putain, vous en faites du bruit. C'est bon? Attendez, j'ai vu des trucs, là. Et faut pas déconner, le stuff, c'est le stuff. Et les pierres lunaires, c'est pas donné. Et en plus, il y a même un mode. C'est-tu pas beau quand ça se coordonne bien? Alors, du coup... Oh, j'avais pas vu, j'avais deux petits réacteurs au cul. Oh, c'est trop mignon. Bah, ça marche pas. Oh, dommage. Non, j'ai pas envie de jouer. Oh, c'est beau ce saut. Oh, c'est magnifique. Dis donc, le joyeux swagger. Je suis trop content de... Source de plaisir infini. Ok. Bouche à viande. Mais... Faut mourir. Non mais... Saloperie. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Oh. Bon. Oula, je suis obligé de marcher, c'est génial. Il faut que j'aille voir Seymour. Seymour. Oui, mais... Allez, c'est parti. Raccourci, ça fait rien du tout, ça sert à que dalle. Bien. Je suis tellement loin. Et en plus, je vais tellement pas pouvoir y aller à voiture. Allez, on y va. Je suis assez d'accord avec le oust. Dégage, tu me fais chier. Ah, c'est la fusée. Je m'en rappelle de la fusée. Je m'en rappelle de cette petite fusée. Bonjour Seymour. Je me rappelle avoir fait une blague sur toi. Tu les as pas nourris, c'est bon. Mets-les dans la fusée. Let's go. Ah d'accord. Waouh, ça voyage bien comme ça ou c'est de la merde? Non mais vous inquiétez pas les petits, c'est rien, ça va aller. Bye bye. Après l'application de suivi de colis de ce système Echo, la fusée sera parfaitement à l'heure. Chasseur de l'Arche, retournez voir Seymour pour qu'il vous donne votre récompense. Ah c'est bien, le mec est à côté pour une fois. Et donc on a fait en sorte que sur la planète il y ait des charniers trous de verre de merde qui soient là. Voilà. C'est beau.
Truc bidule, l'écologie machin foutu bidule pour l'argent. Okay. Attention aux défenses. Cope Razorback. Mauvaise nouvelle, chasseur de l'arche. J'ai tenté d'en nourrir un. Je l'ai appelé Terry. Mais il semblerait qu'il ait décidé qu'il préfère la chair de Pandore. J'espère que je n'ai pas déréglé l'écosystème précaire de la planète en y introduisant une nouvelle espèce. C'est absurde. Et puis au pire, ils ne sont pas bien gros. D'où la blague après qu'il perd son bras et tout, parce que c'est de sa propre faute. Il a causé sa propre perte. Le con. Ce con. Ce con qui cause sa propre perte. Bon, du coup. Normalement, le téléporteur là-bas. Et je vais faire l'autre quête qui était les prétendants. L'amour à la rue. Oh, j'ai 4 points. Bims, blams, bloom. Et Palti. Allez, on court. Fedexon, Fedexon. On adore être Fedex. Prudence, niveau d'oxygène à 50% et en baisse permanente. Ouais, mais niveau d'oxygène, on n'a rien à foutre parce que je ne suis pas vivant. I'm not alive. Bien, bien, bien. Prenons un et il coule. Attends, attends. Hop, j'ai pas un skin pour le buggy. Non, buggy lunaire, dommage. J'ai plus de couleur. J'ai plus de couleur, donc je change de véhicule. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aime changer de couleur. Visage pâle. Eh bah ben, vas-y. Allez, trouvez le premier prétendant. J'espère que ça va être drôle. Bonjour. Where are you, monsieur? Sœur? Monsieur? Où es-tu? Ah, il doit être là-dedans. Rose. Oh, lui, joli visage! Donnez chocolat et fleurs! Qu'est-ce que tu veux, chasseur de l'arche? Dis quoi? L'homme absent? Ah, balèze. Oula. Ah, bonjour. Tenez, monsieur Balèze, c'est de la part de l'infirmière Nina. Je crois qu'elle t'aime bien. La petite infirmière Nina? Oh. Oh, ça alors, j'aurais jamais cru. Est-ce que je rougis? Je rougis, c'est ça? Oh, dis à Nina que je passerai la voir bientôt. Maintenant, tue-le avec glace. Pour tester chaleur de son amour. Hein? Triste. Était joli, mais... En le gelant, mais je l'ai gelé, mais... ...avoir oublié de dire, toi, tester les candidats, ok? Si eux, assez costauds pour supporter tout l'amour de Nina, ils survivent. Va voir candidat numéro 2. Ouais, mais je l'ai gelé, je suis désolé. Fleurs. Ah, pardon, excuse-moi. Yep, yep. I need to get back... Le stuff. S'il vous plaît. Mais je l'ai gelé, je suis désolé. En vrai. Désolé, mais il était gelé. Alors, le deuxième. C'est pas ici. C'est pas ici. Forcément. Sinon... C'est pas fun. Ah vraiment la quête FedEx hein. Canyon, allez, j'y étais il y a 10 minutes. Bien. Un petit peu dans le dos, mais c'est encore raisonnable. Pas encore plus chaud que ça. Allez, on y va. C'est long. Alors, c'est dégueulasse si elle me demande à chaque fois des éléments. Genre... Ok. Oui, mais... pourriez-vous, s'il vous plaît, me le dire avant? Me donner l'arme qu'il me faut? Parce que si j'ai pas l'élément, je vais un peu faire la gueule à chaque fois. C'est un bonus que j'ai pas.
Attends, faut que je monte. Yop. Où êtes-vous, monsieur? Ah, ouais. C'est pas toi. Comment tu sais que j'existe vraiment? Bah, t'es devant moi. Bon. Where is it? Where is he? Ah, bonjour. C'est moi. IR costaud, donne cadeau. J'espère pas couvert de Rogon bonne. Oh. Hello, monsieur Tibia. C'est de la part de Nina. Elle cherche à te faire la cour. Chez Nina? Je saurais même pas te dire combien de fois elle m'a rafistolé. J'ai toujours espéré en secret, mais j'aurais jamais cette voix. Maintenant, tue-le. Utilise arme corrosive. Alors, utilise arme corrosive, alors bien, mais... Mais, heureusement, j'en ai une. Pour tester résistance de son amour. Mais enfin, je vais te tuer! Ça fait le taf. Je vais être encore obligé de mettre une balle. C'est coquin! Nina D. Forcément. Forcément. Voix de l'amour pleine de gros cailloux. Pas facile. Bravo! Oh, attends, il y a du violet là. Les deux premiers candidats. C'est peut-être toi qu'il faut à Nina. Non. Plan de Nina sans moi, faille. Robot. Trouvez le troisième candidat. Pas oublier carte et fleurs, ça a coûté argent. Moi, robot, donc robot, moins sympa quand même pour sortir. Fleurs. Hop. Fleurs et chocolat. Ah, apparemment, c'est pas loin. Ah, c'est dans la même zone. Viens, par contre, ça, c'est sympa. Ah! J'adore marcher dans le vide. Toujours sympathique. Ok. On y va. J'adore les mobs, ils meurent d'eux-mêmes. J'ai rien fait, c'est pas moi. Ah, j'ai rien fait. Hein. Croix de bois, croix de fer, il s'est tué tout seul comme un gros idiot. Alors, va falloir faire un kilomètre à pied. Canaille prendre un raccourci. Et oh là, tu... You can do it! I believe in you, le jeu. Franchement... Voilà. Yes! Voilà. Raccourçail. Centre de recherche. Ça ne dit rien, ça. Assis très légèrement. Alors, trouvez le mec. Excusez-moi. Bien, ça me gratte, pardon. Bon. Zblim, zblem, zbloom, you're dead. Où est le dernier prétendant? Alors là. C'est un truc qui schlingue. Saute là-haut. Descends. Non, descends. Ouais, moi aussi je vais t'étaler. Bon, c'est bon. Oh, me dis pas qu'il est dedans. Je monte là-haut, merde.
J'ai trop court. Faut-il que je monte l'IO? Il est par là. Ils vont se calmer, dis donc. Hein. Ah, fiesta grenade. Bouge pas, bouge pas. Merci. Merci pour ça. Bougez pas, bougez pas. Bon, c'est bon. Toujours pas. Ah, j'essaye hein, de faire vite, hein, mais ils veulent pas m'aider. Oh, tu serais pas là-haut, ouais. Pas du tout. Alors, le prétendant, il est où, là? Il est par là? Je sais absolument pas où il est. Je vais chercher partout par là, parce que je me dis ça. Ah, ça doit être toi. Timber Lockwood. Toi, voir ses mains puissantes, bien. Donnez cadeau. On se connaît, non? Oh, cette voix. Je peux faire quelque chose pour toi. Oh, cette voix de que tard. Ah, cette voix d'un homme qui a un sexe aussi gros que ses bras. Ah, cool. C'était nul. Nina, hein? Ben, dis-lui que c'est gentil et tout, mais je suis pas intéressé. Oh. Comment? Il refuse un moule de Nina? Tue-le avec flamme pour faire sentir ma colère. Oh. Je vais pas me laisser faire. Attends, stop. Ah, attends. Lui, trop beau et trop il saigne abondamment. Et avoir voix... J'avoue, là c'est vrai que... Nina, j'ai toujours été fou de toi. T'es mortelle, au propre comme au figuré. Je voulais juste être bien certain que c'était du sérieux. Et la plus belle preuve d'amour, c'est quand même la tentative de meurtre. Ouais. Nina, elle va retaper toi. Je serai là, en moins de deux, ma douce colombe. Merci, chasseur de l'arche, je te dois beaucoup. J'ai toujours eu un faible pour cette petite fleur de printemps. Tu sais... Il meurt? Crève ou... tu fais une flaque de sang impressionnante, hein. Je suis désolé, hein, mais t'es... T'es impressionnant. Tu vas crever le temps que je parte? Alors, du coup, où est le plus court? Ok, celui-là. Par ici, c'est le plus court. Parfait. Tant que c'est pas en hauteur... Oh putain, il me gratte. Ah oui, non, 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 non. Oui, non, raté. Bon, bah, pas grave. Voilà, l'appareil photo qui est chaud comme la braise. Donc, non, je me suis trompé. Piu 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 piu. Là, par ici. Excusez-moi, je suis pressé. Excusez-moi, je suis pressé. Mais du coup, c'est pas plus court dans l'autre sens. Non, c'est plus court par là quand même. Allez. Allez. Réserve stock, attention, atmosphère respirable. Non ? Non, je croyais que...
Ah, il y a qu'un téléporteur et c'est pas là. Donc, bon. Me tromper. C'est pas grave. Que ça passe en buggy. Matrice UV. Waouh, cette couleur. Ça passe dans l'autre sens, au moins, comme ça, ça va. Je vais reprendre le véhicule. Au moins. On va dire que. Oh, mais le véhicule, lui, est décidé à pas se laisser faire. Oh, je m'en fous, je prends téléporteur pour Concordia, parce que ça va plus vite, en vrai. En vrai, ça va tellement plus vite. Hop. Du coup, j'aurais fait les quêtes annexes. Et je peux faire la principale et continuer. De toute façon, après, là, je pense pas qu'il va y avoir grande... Alors, des quêtes annexes, mais bon. Ok. Alors, est-ce qu'il est là? Ah, il est là. Salut. Chasseur de l'Arche. Merci encore de nous avoir permis d'être ensemble, Nina et moi. C'est le plus beau jour de ma vie. Dès que j'aurai cicatrisé... On va officialiser un peu les choses, elle et moi. J'ai hâte. Elle aurait pas une sœur, Nina? Une sœur robot? Non? Bon, bah tant pis. C'est vrai que c'est pas dommage. C'est dommage, parce que j'aimerais bien aussi. Elle a sûrement une très belle leçon à tirer de tout ça, pas vrai? Oui, l'amour triomphe. Merci, chasseur de l'arbre. Succès déverrouillé, étude peut-être secondaire. Peut-être toi trouve l'âme sœur, et toi presque la tuer aussi. C'est poétique. C'est quand même poétique dans le fond, hein, malgré tout. Il y a quand même une poésie à tout ça, qui est que... Alors c'est quoi le trophée que j'ai eu? Effectuer 30 missions secondaires. Oh. Bien. Il y en a qui font pas des lives. Tenez. Suis-je étonné? Bon, du coup, Moxie. Let's go find Moxie. Mais non, ça c'est Jack. Qui veut construire le constructeur? Succès. Vous avez un cerveau, ils ne vont plus que les muscles. Au travail. On va enfin s'amuser un peu. Je sais pas s'il est mieux, on va voir. Je vais être toujours avec toi. Je gardais justement du butin pour une occasion spéciale. Je crois que c'est maintenant. Fais-toi plaisir. Du coup, regardez dans le coffre. Voilà. C'est nul. Parfait. Et du coup, le fusil à peupon. Is it better? Même pas. Parfait, nous y sommes, les enfants. Le brouilleur est neutralisé, on a notre armée de robots et on peut enfin retourner sur Helios et couper cet énorme laser de la mort. On va venir avec vous, Roland et moi. On devrait pouvoir vous aider. Et moi, je vous encouragerai tranquillement depuis le confort de ma petite gargote. Je sais pas à quel point les choses ont empiré là-haut, donc faut vraiment qu'on s'attende à tout. En d'accord. Avant, on passe devant un voyage éclair. T'auras qu'à nous suivre. Ok. Roland en petite foulée, Jack comme si il courait sa vie en même, il courait sa vie entière. Et Lilith qui est déjà arrivée. Parce qu'elle triche. Si on désactive pas bientôt ce laser, on va devoir faire une croix sur cette lune. Qu'est-ce que vous foutez là en vrai? Ah oui, ouais, les vacances. Rien. On va jouer les héros. Oui. Sauf que t'es pas un héros. C'est violent quand même, hein. C'est sympa à regarder quand quelqu'un se téléporte. Centre de l'héroïsme d'Hyperion. Let's go. Bon, là, je dois bien arriver aux trois quarts du jeu, j'aurais dit. Ah, peut-être, allez, 60%, 65%. Je m'en rappelle qu'il y a Nakayama ici. Je crois qu'on est de l'autre côté d'Helios. Merde. Bon,
Le voyage éclair nous a tous séparés, mais ça change rien à notre plan. Rejoindre le centre de commande de l'œil d'Hélios, désactiver le laser, sans l'abîmer, sauver la lune et devenir des héros pour l'éternité. Ça vous va? Mais bien sûr que ça vous va. Arrête de t'énerver, c'est... ça fait con quand même. Bien. Oh, j'ai déclenché l'arme incroyable. Bing! Ils sont. Mais comment? Je peux pas. Tu peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Puis c'est tout. Bon, du coup, arrêtez l'œil. J'ai que ça qu'à faire. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Je t'ai viré. Et vous me remercierez une fois qu'Hélios sera de nouveau entre les mains d'Hyperion. Et qu'est-ce que tu as fait à la station? Qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Oui, je trouvais le rouge et le noir trop tristes. Le jaune, ça pète. Vous trouvez pas? De toute façon, vous pouvez plus me virer, le naze. C'est déjà fait. À plus. Oui. Mais du coup, tu te dis, là, il y a lui, Tacitaire, mais là, il y a le grand boss. En un seul morceau. Et toi, comment ça va? C'est censé... Oh, je vis juste une petite crise existentielle après ce qu'on a fait à Felicity. Si on peut effacer toute notre personnalité comme ça, alors qu'est-ce qui fait qu'on est nous, ce genre de choses? Parfait, super. On se retrouve plus tard. On papotera à ce moment-là. Ouais, ouais. Mais ça, ça veut dire il y a un plus gros big boss que Tacitaire. Tacitaire, c'est pas le dirigeant d'Hyperion, c'est pas le big boss, c'est lui, sûrement. Et je pense pas que Jack l'ait tué, en soi. Il a tué Tacitaire, certes, mais... Ah. Oh, le robot. Bah, c'est-à-dire que vous êtes pas non plus totalement gentil si vous me tirez dessus. Touche pas. Excusez-moi, je suis occupé. Monsieur ne veut pas perdre son bouclier, je vois. Eh ben, hein, pauvre de toi. Joue le dernier. Bouge pas. Ah, pardon. Voilà. Tranquillement, on prend son temps, on fait ça bien. Bon, je dois aller là-bas. Je dois aller là-bas. Les ennemis ! Oui. Je sens bizarre. Bang ! Jusqu'à la fin. Pourtant, les chasseurs de l'arnaud, l'identité. Montre de quoi t'es capable. C'est toi le problème de cet univers. Ouah. Excusez-moi, hein, je suis occupé. Hein. Putain de merde! Dégage de là! Je vais vous défaler, bande de minables! Je vais faire! Je vais me faire! Une chance! Bing, Marie! Oh la vache! Je suis vulnérable! Pourquoi je suis voilà, voilà! Alors ils font venir les médecins en dernier. Bien. Très bien, très bien. Forcément. On peut pas atteindre l'œil d'Hélios. Surtout moi, vous êtes pas là. Bon, tant pis, reviens à mon bureau. On pourra peut-être abaisser les défenses d'ici. Elles commencent à me les briser, cette gonzesse. Ils ont pénétré sur Hélios. Intensifiez les tirs. Bon sang, elles concentrent le laser. Ok. Entrez dans le bureau de Jack. Qui est en fait le bureau de Tacitaire, je suis sûr, mais...
on va rien dire. Autorisation requise. Veuillez vous présenter face au scanner. Je suis un robot. Veuillez appuyer sur le bouton pour activer le scanner. Utilisateur inconnu détecté. Autorisation refusée. Ah oui. Tu pourrais demander une autorisation à un claptrap. Doit y en avoir un dans le coin. Oui, bah moi. N'essaie pas d'ouvrir toi-même, Fractrap. J'ai supprimé tes fonctions d'ouverture de porte quand j'ai rempli ton disque dur de manuel d'armes et de protocole de monter l'escalier. Je ne suis que l'ombre de moi-même. Quand même, ça va, ils ont fait quand même une espèce de logique sur... oui. Moi, Fractrap, je ne peux pas tout faire. Bonjour. Tu es un beau robot. Mais il need un claptrap en marche. Ah d'accord, oui, d'accord. Y a... J'avais pas vu, il y a un bout de temps. Bonjour, je suis CL4P. Pas la peine de me narguer. J'ai besoin que... Que tu m'ouvres la porte du bureau de Jack. Il va me prendre pour un handicapé. Je trace la voie. Tu ne mesures même pas ta chance à te balader comme ça sur tes roues premier modèle, à ouvrir les portes comme tu visserais un boulon. Tu sais même pas comme ta vie est belle. Tu me dégoûtes. C'est cette porte-là. Je vais t'ouvrir ça en moins de deux. La porte est verrouillée. Je peux facilement l'ouvrir depuis un panneau. Je le déteste tellement. C'est vrai, hein. Oh là là. Et ça s'ouvre. Ou pas. C'est pas cette porte. Et ça se prétend un claptrap. Ça perd l'hypothèque. Eh ben j'ai plus qu'à commencer. Tu es la honte de la famille. J'avoue. Une tornade. J'ai pas envie de jouer. Bon. Bien monsieur. Qui est là? Chez la qui? Chez la danse des canards. Chez la danse des canards, d'accord. Chez la qui? Chez la danse des canards. Je crois que ça y est. Allez, utilise le scanner, s'il te plaît. Ouais, ouais. Ok. Miaou. J'ai 37 ans. Chat d'anniversaire, d'accord. Oups. J'aurais potentiellement déréglé le scanner. Oh, bizarre. Il reste encore un peu de temps. Ding. Miaou. C'est où la teuf? Miaou. Pourtant, c'était nous, les gentils. Ça fait spooch. Je suis chapeau d'anniversaire, ça boum. Je suis chapeau d'anniversaire, tout à fait. Tu le sens bizarre? Oh, ça peut sauver le pute. Ça va, là, enfin, je veux dire, ça va. Non mais arrête de me faire passer pour un chat, c'est pas grave. Moi passer pour un humain, c'est... Je suis presque sûr que ça va être bon. Presque. Oh, un hot dog raciste. Voilà. Et oui. Oui, oui. Bien, bien, bien. Dégage de là. J'aime pas avoir des trucs si qu'un reluquin. Si on s'arrête ici. Oh. Le chasseur de l'arbre essaie quelque chose. Tuez-le. C'est lui le bon. Ces saletés de trucs si qu'un croient vraiment qu'ils sont meilleurs que moi en danse. Ah, qu'est-ce qu'on se bat? On s'éclate! On s'éclate! Bon sang, et c'est pour ça qu'on a fait sortir les trucs chicains, nous volent le pain de la bouche! C'est pas passé loin! En fait, je ne suis pas un hot dog racisme, je suis Trump hot dog.
bibliophile. Interface de la porte débloquée. Ah. Veuillez intégrer le terminal pour ouvrir la porte. Oh, je sais pas trop. C'est parfois dangereux ces histoires d'intégration. Fais-le ou je te tue. Ouais. Ok. Une bonne valeur ça. Début de l'intégration. La mort. Intègre-le, voilà. Baise-le. Intègre bien. C'est bien l'intégration. Autorisé. Passez une bonne journée. Je me meurs. Tu as souillé le nom de Claptrap. Alors voilà ce que j'en dis. Bonne journée. Voilà. Non, non, mais hein. Oh, l'office de Jack. Non, c'est pas ton office. Désolé. T'as réussi à atteindre le bureau? Super. Tu veux bien me faire plaisir et activer le voyage éclair là-dedans? Non. Comment vous sentez-vous? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? J'étais... Il y avait une porte, et vous étiez là. Vous m'avez posé des questions, et puis, je me suis réveillé là. Donc nos anesthésions provoquent toujours une perte de la mémoire. Infirmière, prenez toutes mes notes sur la thérapie expérimentale contre le stress post-traumatique. J'ai quelques idées. Ah, docteur, je posais lui une intraveineuse? Non, pas tant qu'il ne sent rien. On doit d'abord s'assurer que l'opération n'a pas touché ses nerfs. L'opération? Mais quelle opération? Chut, du calme. Je vais tout vous expliquer. Bon, je vais le voyage éclair. Allons-y. Salut mon con, c'est pas ton bureau. Je veux que tu prennes le claptrap que t'as trouvé et que tu le branches au terminal de sécurité. Il va pouvoir abaisser les défenses vers l'œil d'Elios. Ce claptrap de qualité inférieure n'a pas résisté à la pression. Non mais tu te fous de moi? Je te jure, si jamais je deviens président, je fais détruire toutes ces saletés de bidules jusqu'au dernier. Je me révolterai bien, mais celui-ci était vraiment nul. Bon, du coup on peut pas abaisser les défenses d'Elios. Laisse-moi réfléchir un peu... Jack, mon équipe est coincée dans le centre de R&D et on est encerclé. Désolé Gladstone, mais je... Oh, viens d'avoir une idée. Chasseur de l'art. Mais c'est qui ces trois, ces deux-là? L'équipe de Gladstone. Ils pourront nous pirater ses défenses et ouvrir l'accès à l'œil. Je suis trop futé. Alors, Alma à Rennes. Donc lui, c'est Lawrence de Quid. La citaire, en fait. Maxime Turner, mais... Ces deux-là, là, il s'en est pas occupé. Je suis désolé, c'est vrai. Monsieur Lawrence? Ouais, c'est moi. Timothy, prenez la porte sur votre droite, s'il vous plaît. C'est le fils de l'autre? Nous attend pour l'entretien. Je dois... C'est le fils de lui? Des papiers? Ou bien... Passez la porte, je vous prie. Et non, attendez. Comment je peux être sûr que c'est pas un coup fourré pour me piquer un rein? Vous avez postulé ici parce que vous aviez besoin d'argent. Vous n'allez pas chipoter. Mais... je... Ok, très bien. Je suis prêt. Très bien, Timothy. Hé, hey, par ici! Ouais, je suis là. Merci pour ça. Fortement apprécié. Ça va, il y a une bibliothèque et tout. Une petite cheminée. Pas piqué des hannetons. Oh, dis donc. Salut, beau gosse. Hein? C'est le double de Jack. Bah oui. À qui d'autre est-ce que je pourrais parler? Tu vois d'autres inconnus sexy dans le coin? Non. J'imagine que non. Comment tu t'appelles? Ou bien, je peux continuer à t'appeler beau gosse. Oh, moi c'est Ti... Non. Jack. Ah d'accord, Timothée s'est fait transformer en Jack. Tu peux m'appeler... comme tu veux. Par exemple, l'homme qui m'a payé un verre. D'accord, donc on comprend pourquoi Timothée était transformé. Je m'appelle Jack. Je suis ingénieur chez Hyperion. Docteur? J'ai toujours ma voix d'avant. Ce sera réglé quand on vous aura implanté le modulateur de voix. Maintenant que vous avez signé, vous serez Jack pour les 20 années à venir. Je serai payé quand? Bientôt. Allez dans la chambre médicale numéro 7. Rapport sur l'expérience. Jour 4.
Transformation visuelle terminée et archives expurgées. Timothy Lawrence n'existe plus, en tout cas sur le papier. Ses secrets aussi ont disparu. Jack va être très, très content. D'où ça vient, ça? Ça vient de quel moment, le fait que le double de Jack existe? C'est genre... Jack est... Un double de Jack, c'est logique dans l'existence du 2. C'est-à-dire, dans le 2, oui, il y a les doubles de Jack, et en jouant, c'est une chose. Mais là, Jack, c'est juste un foutu ingénieur? C'est pas un mec... Alors si, c'est un mec qui a du bagou, parce que le mec, il avait de la... Il avait de l'esprit d'entreprise, on va dire. Mais au-delà de ça, pourquoi faire des doubles? Où est l'utilité? Où est la chose? C'est ça que je me dis. Je me dis, mais... why? À quoi ça sert? Mais bon. Apparemment... Bon, je vais plutôt descendre par là. Bon, je voudrais juste finir cette quête. Là, bon, c'est bien, mais... Petite dose, là. Le jeu, il est sympa, mais... Ah oui, désolé pour l'existence des claptraps, pas pour pas d'avoir des claptraps. Ok. Allons-y, allons-y. Voilà, de l'ambiance, c'est bien. Oh, la tourelle, elle en a marre. Oh. Là, je veux. Bah oui. Lève la tête. OV. Oh, ça va pas rester suffisant? Déçu. Je suis déçu dessus. Ah ben voilà, j'ai le châssis tout sale maintenant. Oui, il reste des mecs, hein. Les mecs, faut sortir. Mauvais. Bah non, il supporte le gel. Le con. Et il reste un mec. Where are you? Voilà, pas de médecin parce que c'est chiant les médecins. Oh! Mais c'est quoi ici? C'est bien ça? C'est à manger? Non. Mode piñata, je peux l'attendre. Hein. Mais je veux des trucs ici. Je peux pas ouvrir. Oh. Qui s'énerve là? J'étais pas là. Hein. À la Légion oubliée, on a une super mutuelle. Ok. Je. Mais un truc en passant, Zarpetas. Et si tu te retenais simplement de détruire la Lune et de tuer des centaines d'innocents? Nous en tuons des centaines pour en sauver des millions. Oui, oui, oui. Et je m'appelle Zarpedon. Tungstena Zarpedon. Tungstena Zarpedon. Oh, t'as vraiment dû avoir une adolescence de rêve. C'était vraiment des salauds, tes parents. C'est clair que Tungstena. C'est pas un cadeau, hein. C'est comme vider une citrouille. Non. Comme moi, pas de ma conception, une citrouille, je la vide pas comme ça. Oh, un signe de arche. Voilà. Du coup. Allez. Section département de recherche, là. On y arrive un jour. Ennemi repéré, c'est parti.
Oh là là. Mauvais. Oh, je suis mauvais. Oh là là. Ah, because I'm bad. Oh, because I'm so bad. Oh, je voudrais juste finir cette quête. Là, je sens que je suis pas dedans. Ah, je suis pas dans le game. Tellement pas. J'ai ma chaise qui grince comme si qu'elle en pouvait plus de sa vie. Oh, content que tu sois en vie. Viens me voir, mais prudence. Les torques sont sortis de leur cage. Forcément, sinon c'est pas drôle. Tu sais, torque, qu'on puisse discuter. Je sens bizarre. Maintenant que j'y pense, je me souviens de Gladstone. C'est lui qui a mis en place tout le labo. Il a embauché toute l'équipe. Il a fait pas mal de trucs super. C'est un chic type. Dégage de là! Sauf que Gladstone il va mourir. C'est quoi, c'est un rôdeur? Stalker, ouais, c'est un rôdeur. Excusez-moi, j'arrive. Les autres scientifiques ont encore besoin de toi. Oui. J'arrive. Patience. J'arrive. On sera pas tranquille tant que ce laser continuera à fonctionner. Je crois que je peux t'aider à atteindre l'œil d'Helios, ouais. Mais j'ai besoin d'aide. Ah ouais, s'il te plaît, finis-moi cette mission de merde. Pouh. Oh yes, oh. Prenez quelques instants pour vous reposer et faire le plein de matériel. Oh super, j'ai la quatrième arme. Désolé pour le dérangement, j'aurais pas dû me faire coincer ici. Bande de révolte sur Helios. Trois de mes collègues se sont retrouvés coincés ici quand les hommes de Zarpedon ont attaqué. Désolé. Libère-les et on pourra abaisser les défenses pour accéder à l'œil. Désolé entre nous. Désolé. Enfin, non, pas désolé. Je T'es canadien, toi. Je vais retourner au bureau de Jack. T'es canadien, toi. Bon, du coup, j'ai un emplacement d'une quatrième arme, donc j'ai un PE. Qu'est-ce que j'ai comme Kébian? Faisons le comparatif. Fusil à pompe, non. Sniper, non. Pistolet est mieux. Pistolet fait plus de patates. Ironiquement. Voilà, non, moi c'est bon pour ce soir. Là, je suis vraiment dans le creux du jeu qui est le moins sympa. Le début est attrayant. En plus, je trouve que là, c'est vraiment. C'est vraiment des trucs pas sérieux, mais genre, il y a moins de vannes. C'est tu fais 15 zones d'un coup, tu fais 15 allers-retours. Voilà. Donc c'est pas grave. Voilà. Faites une bonne nuit à tout le monde. Je fais des bisous et à une prochaine.